Mais en soi, j'ai pas vraiment besoin. Vous savez comment j'ai besoin? Là, en gros, je vais ouvrir cette porte, je vais faire un 3-6, je vais tuer le mec. C'est comme ça que ça se passe. Coucou YouTube! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite game arbalète. Mais du beau jeu à l'arbalète. Il y aura plus de 20 kills. Like, commente, partage, référencement, toi-même tu sais. Bisous. C'est bon. Oh la quicheta, chat. Oh la quicheta. On est bien là. Chat, est-ce que vous voulez une game avec quelle arme? Est-ce que vous voulez une game normale? Ou est-ce que vous voulez une game genre avec le boubou? C'est vous qui choisissez. A few moments later. Boubou. Arba. Je vois que l'arbalète est beaucoup ressortie, les gars. On va faire de l'arbalète. On va faire de l'arbalète sportive, les gars. De l'arbalète avec de la bullfrog pour se défendre au cac. Mais en soi, j'ai pas vraiment besoin. Vous savez comment j'ai besoin? Là, en gros, je vais ouvrir cette porte, je vais faire un 3-6, je vais tuer le mec. C'est comme ça que ça se passe. Il reste deux mecs, les gars. J'ai vu qu'il y avait un point par là. Et j'ai vu qu'il y avait un point par là. Si je veux tenter un air shoot. De pute. Il était bien formé lui hein. Tu me donnes ta position, tu me donnes ton pseudo? Donne-moi ton pseudo. Elle vient de lui passer à travers. Je demande une frappe aérienne. Ici Striker 3-1, bien reçu. Frappe imminente. Bon ça, on sait ce que c'est les gars, ce mec là. On peut le décrire en 5 lettres, tu vois. Une merde. Tu vois, regarde. Pareil, lui. Lui qui... Monsieur Chao a donc développé plusieurs techniques pour se sortir des streamhacks, aussi appelés les merdes. Je vais vous les raconter. Je prends une voiture et je pars, tout simplement. Je parcours une distance de 500 mètres. Pourquoi 500 mètres, les gars? Parce que c'est des joueurs qui sont tellement nuls à chier qu'ils sont, tu vois, il est encore là, qui ne seront pas capables de parcourir la distance d'ici à là sans crever. Parce qu'ils n'ont aucun sens de la rota, du brain. C'est des abrutis, tu vois. Ils sont nés d'un consanguinage. Leurs parents étaient frères et sœurs. Donc, ils n'y arriveront pas à atterrir jusqu'à là. Donc juste le fait que je me déplace, ben c'est comme si j'avais tué tous les streamhacks qui étaient là. Ok? Voilà, on en est là. Théorème de la consanguinité par chaud, les gars. Ce théorème est parfait. J'ai planché dessus toute ma vie. Écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien. Au début, c'était bien. Sérieux? La nature avançait, pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Je vais prendre un Autoréa et je cherche espagnol Silver Shark 000 directement. Non, il vient de prendre ta bagnole. Ah, déconnez pas les gars. Non, ma bagnole, elle est garée là.
Ah ouais, il vient de garer sa caisse là-bas. Putain, j'étais à 50 mètres de lui. Maintenant, je suis à 550. Le mec a vraiment mal vécu la proximité, tu vois. C'est moi ou ce mec s'échappe absolument partout. Alors chat, regardez la map. Vous devez mémoriser où est-ce qu'il n'y a pas son véhicule. Alors là, il n'y a plus son véhicule, vous êtes d'accord avec moi? On n'aura plus la traque dans quelques secondes, les gars. Faut qu'on retrouve sa voiture. Où est-ce que sa voiture va s'arrêter? Ok. On n'a aucune information, les gars. La seule information, c'est notre instinct. On sait que ce fils de pute s'est arrêté là. Je vois rien à droite, je vois rien à gauche. Putain, c'est compliqué. Hein. On voit qu'il y a un véhicule là, mais c'est un spawn. On se calme, les gars. Il y a un véhicule là-haut. Là-haut, c'est lui. C'est lui, en fait, c'est sûr. Je récupère quelque chose de crado. C'est une blague? J'ai un contact. C'est le genre de personne que tout le monde déteste. On te brûle, on te crame, on tire des flèches d'arbalète et pourtant tu reviens. T'es un enculé. Gros bâtard. Putain, excusez-moi. Donc le mec il campe là-dedans. Piouf. À mon tour. Je kiffe trop voir passer des roquettes comme ça, je me prends un peu pour Matrix. J'm'imagine en train de lui sauter dessus, de lui faire un 3-6 déjà. Il s'est déjà enfui? Il est mort? Il s'est enfui, c'est quand même un théorème plus probable. Si j'étais une salope. Ah là là, j'ai peur. Non, du coup. Ah là là, il me court après. Ah, je referme la porte derrière moi. Putain, j'en sais rien, chat. Je sais pas. L'angocha. Trinisha ou Neo-Shao? Non, chaud, t'es... Mais t'es qu'une grosse merde, chaud. Son réflexe, ça a été de sortir son lance-roquette. Hein. Mais quelle fut sa surprise quand Shaw envoya un trophée Bobby dans le bec, vola une voiture et partit à la recherche d'une autre track. C'est chou. Mais cette voiture appartenait à quelqu'un. Qui lui-même appartenait à quelqu'un d'autre. Et oui, c'est les proverbes de Shaw du robinet. Chaud du robinet, tu as Sergei. Sergei, tu as l'autre. Chaud du robinet, va pouvoir retourner aller chercher ça. A l'aide de ce drone, technologie avancée, dans nos... Je me fis tirer dessus. Elle a été nerf. De la fontaine. Oh le fils de pute. Oh mec.
Attends, bouge pas toi. Au sol, coup de genou, je te brise la nuque, je te pète le dos. Alors, en gros, le mec joue... Oh, le fils de pute. Les gars, il joue avec la MG machin à la fenêtre. Et dès que tu le rushes, il est caché dans un coin avec, avec la, la balayeuse. Mec, pourquoi... A chaque fois qu'on me tire dans le dos d'ici, ou vous faites backstab, les gars, à un moment donné, il faut apprendre de vos erreurs. Hein. Je suis un idiot. Mais... Bah, monsieur, votre cap, j'ai trop envie de lui mettre un coup de genou dans le nez. Je pense que je vais pas réussir à résister. Oh, la para après shot, elle est moche. Oh, tu l'as mérité. Merci Zenom pour les 7 mois. Et merci Emma. Ok. C'était pas si mal joué, hein. Bon, là. Aïe, 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 ouille. La voiture va exploser. Je m'en sers quand même de coverer. Yeah, yeah, yeah. J'essaie d'avoir une visu. Je le vois pas à la fenêtre. Je pense qu'il va monter ici. Si jamais je recule, tu vois, on dit rien à personne. Oh, t'es un sournois, t'es monté sur le toit, honte à toi, gros. Mais mec, arrête de me tirer dessus, gros, les plaques vont venir à manquer. Les plaques vont me manquer, arrête. Il m'a tiré dessus. Il m'a blessé le cul. J'ai du sang sur les doigts. C'est pas ma faute. Ah, moi. Ce fils de pute de Silver Shark! T'as le droit à la totale, mon gourmand. J'ai retrouvé la prime! T'es encore là? I tell you my secret. Inspiré pour la para. La para, gros, on trouve des inspirations partout. Je pourrais te caler une para comme ça pour qu'elle pop juste derrière ce mur. La para téléguidée, je l'ai appelée. Kuruko no basket. Je suis un ninja. Soyou ninja gringo. Il peut voler de container en container sans me faire arrêter. Je suis el ninja. Bon, apparemment, il y a ce mec-là qui vient de réussir à rentrer dans le hangar. Il reste 6 personnes. J'en ai 2 indiquées sur le radar. Le shot.
Et le shot qui continue. Maqué. Je t'ai envoyé un Panzani à travers la pif. Yeah. Ici le distributeur de macaroni. On est pris pour qui ici? 8 specs. C'est le moment là. Je le fais sur tous les fonds possibles pour que tous se sentent bien concernés. C'est bon. J'ai rechargé ma trachounerie. Ok, quoi? Hein? Chaud. H1. The Lord. The Warzone. Chaud. Oh là là, la position power pose de cette personne. Il était déjà rigé les gars, il avait la position parfaite. Écoute-moi petit, écoute-moi gamin. Non vas-y j'arrête de la chanter. Tu m'as mis une frappe pour la fin. Y'a rien de plus lâche mon pote. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu veux? Merci Baronu pour les 12 mois. Désolé. Bon, la prochaine fois, essayez de me toucher, bande de tocards.